Que bonsoir, Eternopiens, Eternopiens, bienvenue sur Eternochic du 974. Comment allez-vous en ce jeudi 22 septembre? Hello. Donc du coup, on refait du Disco Elysium ce soir. Hein. L'histoire était cool, le jeu est cool. Il m'a l'air même un petit peu interdit aux moins de 18 ans. Oh, c'est cool quoi, c'est un peu cru, mais c'est ça qui est marrant. Il y a un côté vraiment bien barré, bien décalé et tout. Alors, je sais pas sa durée de vie, mais visiblement, j'ai joué 3 heures la dernière fois. J'ai rien déverrouillé encore, hein, comme succès, rien. Donc je sais pas trop à quel niveau du game je suis, à quelle avancée. Après, c'est un RPG, c'est vrai que ça se joue très lentement. C'est beaucoup de dialogues, c'est beaucoup de choix, de trucs, etc. Donc puis on va reprendre cette enquête qui était relativement intéressante. Est-ce qu'on va réussir à décrocher ce cadavre à cet arbre? On se le demande. Donc voilà, on était arrivé là. Avec ce putain de cadavre, on a fait la connaissance des enfants qui sont très chelous, quoi. Des enfants de la rue abandonnés, quoi. Donc il y a une espèce de truc, je comprends pas, ouais. C'est ça, voilà, le tiroir à réflexion. Donc en fait, tu ramasses des espèces de réflexions. Ça lui vient comme ça, avec des discussions, des trucs. C'est une espèce de pensée passagère que tu peux intérioriser et qui te donne des bonus. Voilà, ou des malus, hein, visiblement, parce que là, moins 1 en sang-froid. Et du coup, là, il faut que j'intériorise compresseur volumétrique de merde. Qui va me permettre en fait, bonus d'intériorisation temporaire aucun, durée d'intériorisation 30 minutes, ça fait quoi en fait? Votre merde est à part, et c'est plutôt inapproprié pour un flic et un être humain. C'est censé être le contraire de la contenance. En fait, c'est un jeu qui est très philosophique. Et voilà, du coup, il a connecté cette petite idée, c'est génial, et je sais absolument pas en fait à quoi ça me servir. L'enfoiré s'est chié dessus. Putain, il parle de qui? Du cadavre. Donc là, est-ce que je vais pouvoir le décrocher? Non, je peux pas. Right through you. J'ai perdu en santé, tiens. Bonus apporté par vos réflexions. Ah, bien compris, je sais pas trop à quoi elle sert, cette réflexion. Donc, qu'avez-nous donc à faire plus tard? Garté vous a dit que les syndicalistes rebelles se rassemblent au mess du Whirling in Rags. Trouver de l'alcool et le boire. Faudrait qu'on aille trouver de l'alcool et s'envoyer une... Ouais. Inspecter le corps de la victime, donc ça, on pourra pas pour l'instant. Signaler la perte de votre insigne. Ah oui, c'était à la radio. Payer les dégâts. Vous allez devoir payer les dégâts que vous avez causés au Whirling, sinon vous n'aurez pas d'endroit où dormir cette nuit. Ok, donc ça, c'est bon, on a vu. Trouver des clopes et les fumer, il faut trouver des clopes aussi. Sniffer avec Gogo et Kuno, donc faut s'envoyer de la drogue avec l'enfant. Super. C'est pour ça que je dis que ce jeu est quand même assez chelou. Hein. Il y a quand même des trucs un peu hardcore, quoi. J'arrête pas de dégueuler et je ne parviens pas à examiner le cadavre. Je vais lui demander de l'aide. Bon, déjà, j'ai trouvé ta cabane. D'accord. Ok, Kuno. Il a quel âge, ce gosse? Parce que... Cette conversation me met mal à l'aise, parlons d'autre chose. Je sais pas, il a ses épaules, l'autre connasse de jardinière qui peut travailler ici. L'autre connasse de jardinière. Super, ok, d'accord. Allez, si. D'accord. Et projection analytique, on est un petit peu dans le caca, mais bon. Pourquoi pas? Ça se tente? Maybe. How many? Alors, combien? Le lieutenant a suivi le mouvement de vos yeux. 400 millions. 400 millions. Putain, je sais pas. 8, allez. I was pretty off then. I counted 20. carrément à côté. Mm-hmm. I never got the hang of it. Je l'ai jamais eu le nez pour ça. Hypermétropie. Oh, c'est mignon. Oh putain, c'est exactement le résumé de ma semaine en fait. C'est génial ce jeu. Tous les lancers blancs endurants sont déverrouillés. Endurance. Bah voilà. Ah. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is in corpse smell. Emitting it is all it does. C'est bon. On me dit que l'endurance c'est de 3, élevé 83%, plus 6, votre merde est compressée. Donc c'est génial. Je vais réussir à le décrocher normalement. As you breathe in, the odor comes over you. It's a spell of the mind telling you. On pourrait peut-être utiliser notre arme pour le faire tomber. Yeah, dégommez-lui la caboche. How? Comment ça? Pointez l'arme sur Kunos. You're gonna fuck me. Elle a un souci, elle a. tu peux tirer sur la meuf, mon gars. What the fuck? C'était pas intense, c'était pathétique. Est-ce que je tente, putain, à 17%? Allez. On va avoir de la... Allez! Le temps lève la main droite quand l'espoir que vous la frappiez. Lui met un vent. Ok. Let's go. Cool! Eh ben finalement, on a décroché ce putain de cadavre. La couronne nécessite un supplément, mais ces tickets vous y donnent accès. Attends, what? Deux pieuvres en train de sourire, enlaçant leurs tentacules sur les dessins au crayon de couleur. Ce sont des billets d'entrée pour le zoo de Revachol West.
L'aquarium nécessite un supplément, mais ces tickets vous y donnent accès. Vous devriez vous y rendre pour vous suicider. Non, le jeu est pas sombre. Ça va, c'est... Pourquoi pas? Écoute, c'est mon subconscient qui me propose des idées, c'est cool. Non, non, par contre, le mégalopole, une voix féminine vous répond à travers les parasites. Bonjour. This is Precinct 57. Hello, lieutenant. How may I assist you? Hello, lieutenant. Ah, il avait raison, Blastin. Je pense que c'est des Français qui font le doublage, c'est pas possible. Salut à la radio, sa voix rocailleuse est étrangement familière. 10-2, 10-5, this is 41st, come in, over. Putain, c'est... On dirait Blast qui parle anglais. Putain, mais cet accent pourri, là. 10-4, what's your status? Over. 10-4, what's your status? Putain, le mec fait aucun effort, hein. 10-18, 10-20, over. Arrêtez avec ce charabia, ces chiffres ne veulent rien dire. Je dois signaler la disparition de mon insigne. 10-9, repeat message, over. Et qui parle? This is communication officer Jules Pidieux, sir. Over. Mais c'est quoi cet accent? Putain, j'en peux plus non plus, Lulu, quoi. C'est quoi? Jules Pidieux? Jean Vicmar. Jean Braquemar, quoi. He's asking who you are. He's asking who you are. Hello! Are you Spanish? Satellite officer Vicmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance. Over. Écoutez, j'ai aussi perdu mon flingue. Je ne veux plus être ici, je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît, venez me récupérer. Listen. It's okay. You can do it, sir. Over. I am the goddamned law, and you have to listen. J'aurais dû me flinguer. You are all suspects. Me neither. D'accord, bah super, bonne ambiance, hein. Bonne discussion, ça fait plaisir en tout cas. No idea. Alors dites, ça vous irait de boire un café tous les deux, un de ces quatre, voilà. No, absolutely not. Voilà, ça c'est fait. Allez, salut, hein. Empathie, pourquoi a-t-elle l'air d'en avoir après vous? No, she doesn't have a problem with you. Il regarde en direction de la sortie avec impatience. Ok, super. Mais qui a peur, quoi. Il est en train de flipper sa race. You swoop up and catch the tide. J'ai récupéré ma crave à... On est magnifique. Magnifique. Eh ben, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Mangez 5 fruits et légumes, gardez votre ceinture dans les étoiles, surtout ma couille. Hein, parce que... Voilà, surtout quand il part sur Néocron, là. Piscouscouille. Allez, ciao.